À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la ville. Mais je me promets et je pense qu'on a bien réussi à marier les Français avec les Canadiens. Et je vais laisser Brandal vous en dire un peu plus long. J'espère que le journal vous plaît. On essaie de faire notre maximum pour vous faire un média pour informer tout le monde, aussi bien les expatriés, les gens qui habitent ici toute l'année, que les touristes qui nous rejoignent en court terme ou les snowbirds. Donc voilà, on fait notre maximum en tout cas pour essayer de vous informer toute l'année et j'espère que ça vous plaît. Oui, suivez-nous sur Facebook, on n'est pas assez nombreux, on n'est que 24 000. Je pense que c'est vrai que c'est un honneur d'être ici avec les francophones et les francophiles de la France, du Canada et d'ailleurs. Je pense que l'idée de nous inviter tous à venir ici pour fêter un peu ce lien qu'on a en commun, c'est vraiment intéressant. Et je sais que nous autres, en voulant communiquer des idées, des informations à la communauté francophone, francophile, on utilise beaucoup le lien qu'on a avec le courrier. On remercie beaucoup de nous servir tous avec ce lien. Donc, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je voulais juste vous dire que je suis très heureux, c'était pas prévu, ça s'est fait hier soir d'être parmi vous et de profiter de tous les francophones, qu'ils soient bien sûr canadiens, québécois, français ou haïtiens, ce moment-là, voilà. Et j'espère que j'aurai d'autres. Les Belges, excusez-moi. Voilà. Et j'espère que j'aurai d'autres occasions de pouvoir vous rencontrer. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Voilà, merci.